La victimisation, ça suffit. Maintenant, tu vas arrêter de venir te plaindre à nous. Oh, ils m'ont encore fait ça. Oh, ils m'ont... Oh là là, oh, je souffre et puis pleurer toutes les larmes de toi. On en a marre. Parce que là, tu es la seule personne de qui tu es victime, c'est de toi-même. Tu es victime de tes propres choix. Donc, tu vas arrêter de venir nous rabâcher dans les oreilles parce que tu sais déjà que tu sais, que tu sais qu'on sait, que tu sais que nous savons. D'accord? Donc, tes propres choix que tu fais, tes propres choix que tu as fait, c'est ça qui t'a mis dans cette situation. Si tu veux sortir de cette situation, rends-toi compte que tu es ton propre bourreau. Parce que comment toi, tu peux permettre de laisser qu'on te fasse ça à toi-même? Comment tu peux autant ne pas t'aimer en fait? Mais ça, faut pas s'aimer. Là, en fait, toi, t'es ton ennemi en fait. Moi, même à mon ennemi, je peux pas laisser qu'on fait du mal comme ça. Mais toi, à ton corps, à ta personne, à ton... Attendez, je remets mon béret parisien. À ta santé mentale, tu laisses qu'on fasse du mal? Mais toi, tu es ton ennemi. Ton premier ennemi, c'est toi. Toi qui vas dans les pasteurs pour qu'on te délivre de tes ennemis. Mais c'est de toi-même qu'il faut te délivrer. C'est de toi-même qu'il faut qu'on te délivre. Non, non, non. Tu es ton ennemi. Tu es un danger pour toi-même. Quelqu'un qui n'est pas capable de faire des choix en adéquation avec ce qui est bon pour lui. Mais tu es un danger. Non, tu vas arrêter de te victimiser. Là, c'est trop facile. Je suis obligée de te dire les choses comme ça parce que si on est là et qu'on te dit, oh, pécheur, tu continues. Et tu t'enfonces et tu mets la faute sur les autres. Non, non, non. Tu es responsable. Tu es responsable de tes choix. Et il n'y a aucune douceur dans ce message. Tu es responsable de tes choix. Donc au bout d'un moment, si ce que tu vis ne te plaît pas, tu es maître de tes décisions. Tu as la décision de dire ça, je n'accepte plus et c'est terminé. Quitte à souffrir un bon coup, parce que la douleur n'est pas éternelle. Quitte à souffrir un bon coup, hein, et prendre une décision pour ton bien-être, pour ton amour propre. Non, toi t'es là, et puis tu te plains, et puis tu te mets en position de victime. Ah, je suis la victime, la pire victime de l'histoire. Mais qu'est-ce que tu fais pour ne plus être victime? Qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce que tu as mis en place? Non, vraiment, commence à prier pour te libérer de toi-même. Parce que tu es ta propre captive, là. Tu es captive de toi. Comment quelqu'un peut s'auto-faire du mal comme ça? Non. J'ai créé un guide d'auto-coaching. Mon guide d'auto-coaching, Nishati, va très bientôt sortir. C'est un programme sur 30 jours. Et c'est le premier d'une longue liste. Quand tu veux faire les choses dans ta vie, tu prends des outils, tu prends ce que tu as besoin. Tu te sers des choses qui te sont proposées. Mais dans tous les cas, tu avances. Donc, que ce soit avec ou sans programme, bats-toi pour ta destinée. Ok ?